Pickleman. Ripley, je cherche un médecin. Je suis médecin. Mon ami a besoin d'aide, de matériel médical. Moi aussi. Désolé, il n'y a pas de matériel à cet étage. Par contre, il y a tout ce que vous voulez en bas, au dispensaire de l'hôpital. On y va comment? Comment ça, on... Vous trouvez que j'ai l'air en état de faire tout ce chemin? Bah oui. Écoutez, j'ai besoin de votre aide, ou de la mienne. Si vous réussissez à trouver le code de l'ascenseur de service, je descendrai ensuite au dispensaire avec vous. Ça marche? Le code? Exactement. Je peux vous guider d'ici, si vous voulez. Morley ou Wingard devait sûrement avoir le nouveau code d'accès. À mon avis, on aura plus de chance dans le bureau de Morley. J'ai fait échappe. Il m'a chopé. Je suis foutue. Il m'a vu. Je suis à côté. Oh bah c'est free. Je suis une offrande là. Oh les pas. Non moi j'y vais pas. La tête de ma mère, j'arrête le live maintenant. Il a 27 pas de moi. J'enlève un bout de l'oreillette. Je suis encore très loin de l'endroit où je dois aller. C'est là, hein. Et pourtant j'ai l'impression qu'on est au bout du monde. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est le bout du monde. Hein. Ouais, je vais me dire que j'ai du monde derrière moi. Oh mais j'en ai marre de ce courage. Bon bah je suis à ça de l'arrêt cardiaque. C'est quoi cette cage de merde? Mais il va me voir, j'ai les pieds qui dépassent. Ah! Oh, j'y vais pas! J'y vais ou pas? J'y vais.
Hein? Morlaix. Je fais quoi? Oh là là! Oh putain! Oh putain! Oh ça va face to face! Oh je suis foutu! Mais arrêtez là dans le chat avec les avance! Foutez-vous à ma place 2 secondes là! Pourquoi je fais barrage comme ça avec ma tête, quelle conne. Bon les gars, on a un problème. Hein. On a un problème. Hein. C'est que je sais pas où il y a... Je sais pas où il y a des sauvegardes. Genre là, je vois un point de sauvegarde, mais je suis trop terrorisée. Putain, rentre, connard! Mais ça va pas! Mais complètement timbré, celui-là, ou comment ça se passe? Non mais putain, à 2 doigts de la mort! Non mais sans déconner! À ça de mourir, là! À ça de se donner, gratuitement, après tout ce qu'on a fait! Oh non. Je peux chercher d'ici, c'est super. C'est nickel. J'ai trop peur. Hein. Je suis désolée, mais je fais dans mon pantalon, donc bon. Je me sens tellement mal. Il y a une sauvegarde là, il faut que je la fasse de toute urgence. Imaginez, il me bute. Oh mais là, il va encore me bouffer là. Je pensais qu'elle pouvait être la nuance. Vous avez le code 1702, c'est bon.
Maintenant, on descend au dispensaire. Oui, c'est normal ce que je vois là. C'est une promesse. Navré de vous avoir fait endurer tout ça. Je vais aller dans l'autre salle pour saisir le code et démarrer l'ascenseur. Ensuite, on pourra utiliser la carte d'accès pour descendre au dispensaire. Ça doit être l'autre con avec son dispensaire. Oui, c'est l'autre con. Vas-y, donne. Là. Il va se faire goumer lui par l'alien. Regardez la POV, ça sent l'alien. Qu'est-ce que t'as fait, pardon? Je suis trop occupée à dire que t'allais te faire goumer. Tiens. Et voilà. Et voilà. Putain. On peut plus, moi, j'en peux plus. J'en peux plus. Mais connard! Mais vas-y, la carte magnétique, prenons le temps! Non mais c'était sûr! C'était sûr! C'était sûr en fait! Quoi? De quoi? Ah, Kiki devin, je comprenais pas! Non mais c'était sûr! J'étais sûr que le gars allait se faire bouffer! Mais d'ailleurs, je me demande si j'ai pas utilisé un gif ou de cette image là! Non mais c'est une blague! Déjà? À peine descendu, déjà? Trouver un kit d'urgence. Non, bah là, j'enlève parce que c'est fini. Là, c'est fini pour moi. Ma vie est terminée. Un taser? Comment ça? Oh non. Oh là là! Je vais chercher avant. Putain, comment ça? Quelqu'un? Déjà, moi je crafte. Je vois. On craftera plus tard. C'est bon ce que j'ai fait, vous pensez? Attendez, j'ai paniqué. Non, ça m'a l'air bon. Ah! J'en ai marre. Il m'en manque un. Non. Vous savez où est-ce qu'il est ou pas celui qui me manque? C'est marrant là le point qui s'avance quand même vers moi. Moi je vais le mettre dans le placard deux secondes quand même. Vous venez d'activer la réfrigération, maintenant la porte est déverrouillée, vous pouvez entrer dans la salle refroidie. Regarde ton objectif, pouvoir... Bah c'est tout le temps le truc, Taylor est blessé, hein. Trouver un kit d'urgence. C'est toujours ça, hein.
Attends, là, il se balade un peu, on va lui laisser... C'est important de se dégourdir les pattes, ok? Les pattes des aliens, vous imaginez pas... Mais putain, il est vraiment là, ce connard? Mais non. Oh, je vais te taser, mon gars! Je me gratte un peu l'œil parce que je me dis, si je me gratte l'œil au moment où il y a l'alien... Je sais pas si je dois faire un truc là-dedans, mais c'est une belle connerie si c'est pas le cas. Samuels, il y a un docteur Lingard, officier médical supérieur. Si je fouille dans son bureau, je saurai sûrement où trouver ce qu'il me faut. Mais avant, il faut que je rétablisse le courant. Bonne chance, Ripley. Faites au plus vite. Donc là, on va se faire la bise avec l'alien. Donc là, on se fait la bise. Ah ouais, Alien, franchement, il est bien. Franchement, il est stylé. Si t'aimes les jeux d'horreur, je te le conseille. Oh la vache! On va se croiser, j'enlève le casque. Qu'est-ce que je viens de foutre? Ici Lingard, officier médical supérieur de Sébastopol. Je voudrais que ce soit bien clair pour les archives. Notez qu'on m'a mise sous la contrainte au sujet du patient zéro qui était infecté. Ransom, le chef d'opération de Sixon. Il a proféré des menaces envers ma carrière et ma formation. Notez bien ça. Mais je vous jure, cette femme avait besoin d'aide. J'ignorais à quelle sorte de parasite j'avais affaire, mais il avait planté quelque chose à l'intérieur d'elle. Ah bah elle est foutue là. Je suis tellement navrée. Mais je ne pouvais vraiment pas savoir ce qui allait se passer. Ok, donc le taser, je l'ai. Je me dis au cas où ça peut servir ça, non? Donc quel est le but maintenant? Tyler est toujours pareil, chercher un kit de soins au bloc. Putain, super. Non mais qu'est-ce que je viens de faire? Là on va... Oh putain! Wouh! Oh, je veux te taser, mon petit pote, je veux te taser! Tiens, oh, je l'ai pas pu le taser! Oh, comment on fait? Je l'ai jamais fait! Comment on fait? Je savais pas comment on faisait! Attendez, j'enlève le casque encore, hein, finalement.
Oh putain. C'est une blague. Putain. C'est une blague. Ouais, finalement, un coup je l'enlève, un coup je le remets. Je sais plus trop ce que je fais. Ah, j'ai pas vu la save dans l'autre salle. Non, je l'ai pas vu. La carte d'accès qui met mal. Ah, la carte d'accès, elle te fout trop dans le mal. Tous les patients en transition doivent fournir leur numéro d'équipage et leur immatricule d'arrivée. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est foutu, hein? En fait, il va plus se barrer là ou comment ça se passe? Putain. Il streamac, hein. Il streamac de fou. Oh vite, 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 vite. Je peux peut-être unlock la porte, non? Oh d'accord, j'ai compris. Les visiteurs sont priés de ne pas fumer. Donc il va falloir que je retourne. Ouais mais le jeu qui me dit... Ah bah non. Pas... Ouais mais le jeu qui me dit fuck off, vas-y, non. Tu as pas pris la carte, merde. Mince. Là, c'est la panique, hein. La carte qui est ici? Elle est où la carte, les gars? Oh, il arrive, hein. Dans le mur. Oh putain. Bon j'essaye au pire. La vitrine 1702. Non mais ça c'est le mot de passe de tout à l'heure. Je crois que c'est plus le bon là. On va regarder sur le PC. Vite vite. Les mains verrouillées du médical contrôle nouvelle ordre, l'équipe médicale installe les hôpitaux en campagne. Est-ce qu'on a des infos?
2505. Je vais crever. Hein. Vous m'avez parlé d'une carte au mur, les gars. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Ah, oh, tant pis pour la carte, hein, merde. Je save. Ah, je l'ai récupéré en même temps. Ok, nice. Ok, je sauvegarde. Tout ça pour un gars qui s'appelle Samuel. Ouh. Oh la vache. Ah mais la carte, je pensais que c'était la carte, la map en fait. Je pensais pas que c'était la carte d'accès, j'avais pas compris, ok. Oh putain. Bon, on y va comme ça là, mais c'est du bonus hein. C'est un vrai cauchemar ici, ça fait ça. Oh putain. Samuels, j'ai les médicaments. Nous sommes à la gare de transit, devant la réception du centre médical. Ripley, nous avons entendu les tirs. Et si on les a entendus, la créature aussi. C'est foutu, hein. Il se passe quoi, là, putain? Qu'est-ce que je fais avec ce terminal? On sait pas. Je vais discuter avec le terminal. Il est là. J'ai l'impression qu'en attendant sagement que la mort vienne nous chercher. Je suis en full panique. C'est la mort, hein. Je jure que j'ai entendu. Oh là là, je fais attention à ça. La réception du centre est un cul-de-sac. Je peux pas sortir. Non. Ripley, c'est un hôpital public. Il y a forcément une procédure d'évacuation. Ah non. Ils vont me bouffer! Je me sens mal. Attendez les gars, 2 secondes, je vais faire un malaise. Je reviens. Sauvegarde de toute urgence, Laura. Sauvegarde de toute urgence. Ouf. Depuis tout à l'heure, j'ai pas le casque.
Enfin, j'ai pas le casque depuis peu. Attendez, je fais pause deux secondes. Je respire. Et voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Quel est mon but? Quelle est ma voie? Active là! Le jeu est ouf, franchement. En termes d'ambiance et tout, sound design et tout le bordel là. Je te jure. Oh là là! Si ça, ça ne l'appelle pas, ça! Bien foutu, hein. C'est pour te dire, pour moi, c'est le... Tu peux pas faire pire en jeu d'horreur, à mes yeux. À mes yeux, moi, c'est... Alien, c'est un jeu qui me terrorise. Genre, Outlast, je trouve ça moins... Enfin, si, c'est fou. Ça me choque moins qu'Alien, quoi. Je sais pas. Parce qu'en fait, il court après l'Alien et j'aime pas. C'est que j'aime pas. Ouais, bonjour, monsieur. Vous allez bien? Comment ça va? J'utilise ça. J'aime pas ce que j'entends. Ça va? Non, ça va pas. Je me sens pas bien. Je vais faire un malaise dans 2 minutes. Pourquoi? C'est quoi le point blanc vers moi? Hein? T'es où? C'est où? Mais comment ça fuyait? Genre je cours ou pas? Oh, j'ai envie d'enlever le casque. Je cours ou pas? Je sais pas si je cours. Le chat, est-ce que je dois courir? C'est peut-être ce qui... Ah bah aussi, il me dit de passer par là, d'accord. Oh, oh non, putain! Ah, j'ai pas regardé la bave! Je sais pas comment je fais, Yuki. Franchement. Oh yes! Les gars, on l'a fait! Je parle plus qu'elle, si jamais. Prendre ces trucs sur lui. Les gars, je dois... Oh là 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 là. Est-ce que je dois passer quelque part là? Oh non, j'ai peur de mourir. Lingard, mon nom est Julia Jones, je suis écrivain. Je traite actuellement de la mise en service de Sébastopol. J'espère... J'ai peur de passer de l'autre côté, les gars. Attendez, est-ce que vous savez par où passer? Fonce vers l'échelle. Échelle au centre, ok. Dites qu'il y a une échelle au centre. Une échelle au centre, les gars. Ok, je la vois. Ok, merci pour l'info. Moi, pendant ce temps-là, en train de cramer. Il y a du QTE. Mal finir cette histoire. Hein. Oh
Continue de monter, ma femme. Sauter, hein, je sais, pas de problème. On est en enfer. Ça sent pas trop l'alien. Tu m'appelles, comment tu vas? Bienvenue à tous ceux qui sont en train de rejoindre. Installez-vous confortablement, les amis. On est sur la fin d'Alien Isolation. Alors, la fin de ma partie sur Alien Isolation, pas la fin du jeu. On est encore loin de la fin du jeu, autant vous le dire. Ça me termine parce que pour faire des lives de 4 heures sur Back 4 Blood, la Kiki, elle est là. Pour faire des lives sur des jeux marrants, elle est là. Pour faire un live d'horreur, il n'y a plus personne. Hein. Bonne nuit, Darkstar, repose-toi bien. Il n'y a plus personne. Hein. Je vous le dis tout de suite. Je suis où, là? Un pack de recharge? Non, moi, je vais faire quelque chose avant. Je vais prendre un medikit et je vais tout de suite me le mettre. Allez, hop. Je connais pas du tout le jeu, Yuri. Oh non. Prise au piège, succès déverrouillé. Par contre, ça a mal se passer là. L'ascenseur, est-ce qu'il fonctionne encore après ce qui vient de se passer? Regarde sur YouTube. Ok, j'irai voir ça. Ok, j'irai voir. Oh non. Là, il faut que je sauvegarde de toute urgence. Sauvegarde, sauvegarde. On va aller vers la lumière, même si je pense qu'on va tomber. Hein. Mais tu te rends compte dans quoi je m'embarque là? Among the Sleep, ouais, je l'ai déjà fait, on l'avait one shot. Ah, pourquoi nous donner des munitions de revolver maintenant? C'est juste une question. Pourquoi nous en donner maintenant? Oh, je sauvegarde tout de suite, maintenant. Il faut que je répare ça. Y a pas de discussion possible, la sauvegarde c'est maintenant. Ascenseur défaillant, réparation requise.